Tu sais, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que tu t'attendais à mieux. Et ça, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que même moi, entre guillemets, ça m'arrange que Kizaru soit merdique parce que je peux bien lui chier dessus. Moi, vous savez, hein, c'est mon travail. Je suis connu pour ça. C'est mon seul travail, c'est ça. S'attaquer le camp de la marine, c'est bien connu. Mais honnêtement, même moi, je m'attendais à beaucoup mieux parce que je me dis, je pars du principe que ce mec-là, c'est un king. Tu vois, je me dis, c'est un king, c'est un mec qui peut envoyer des techniques de fou. Il peut attaquer très fort, il peut faire très mal. Mais quand je vois l'inefficacité du monsieur, quand je vois à quel point il galère à faire des dégâts, je me dis, mais frérot, King, mais King, il mange pas ta table, en fait, au bout d'un moment. Enfin, faut savoir dire la vérité. Je partais du principe que c'était un King, entre gros guillemets, hein, donc il avait des facultés offensives plus ou moins similaires, hein, plus ou moins, même si on sait que chaque personnage a des particularités qui lui sont propres. Mais lui, le mec, il a quoi? Il a une bonne défense, qui lui a pas servi à grand-chose contre Luffy dès que Luffy a commencé à s'énerver un petit peu. C'est tout. Grossièrement, le mec, bah, c'est vraiment catastrophique, c'est calamiteux. Donc voilà. Et sans le fait que Sanji bloque son laser complètement sans aucun problème, et qu'il arrive aussi à manger des coups de Kizaru, pour moi, tout ça, ça descend son niveau. Et je me demande, franchement, face à Kaido, Kizaru, c'est expéditif. Pour moi, c'est un coup. En plus, Kaido, il n'a pas de problème d'endurance comme Luffy. Donc, pour moi, un amiral, je pense qu'il le faut au moins 3 pour pouvoir mettre Kaido en danger. Eh bien, écoute, la régie est efficace ce soir. tu as parlé de Kizaru contre Sanji. Effectivement, voilà, la régie était très, très rapide ce soir. Effectivement, je pense que quand tu vois la tête de Kizaru devant Sanji, qui ne fait, entre gros guillemets, que bloquer la technique. Hein. Moi, je pense que cette image veut tout dire. Hein. Le mec, il s'est clairement chié dessus. Le mec, il a cru qu'il était encore sur l'archipel. Concrètement, il s'est dit, ah ouais, en fait, rien que ce mec-là peut m'allumer. Et il a raison. Tu gardes la vie pour les trois amiraux juste après. On va laisser les autres donner leur une populaire opinion. Et puis après, je sais pas si elle est dans ta liste, mais j'aime beaucoup ce que tu proposes. Lulusia, as-tu une populaire pour nous? Bien sûr, bien sûr. Dis-nous tout. Alors, je sais, là, ça va faire son petit boucan, là. Ah, c'est le but, hein. On est là pour, on est là pour le divertissement, frérot. Dis-nous tout. Est-ce qu'on n'aurait pas eu, avec la performance de Garth sur la ruche, une meilleure performance que Rayleigh face à Kizaru sur Sabaody? Bah pour moi. Alors. Ah vas-y, je te laisse expliquer, puis après je donnerai mon avis. Vas-y. On a eu un Garth, voilà, qui a été face à un amiral, un Rayleigh qui est face à un amiral. D'un côté, t'as Rayleigh qui a fini essoufflé. Certes, il fallait un plan pour le battre, je suis d'accord avec vous. Par contre, t'as Garp qui a mis une mandale à Okiji, et s'il n'y avait pas tout le monde autour là, il l'aurait tué. Il l'aurait tué. Il faisait un boulot terrible. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ça va nous permettre de discuter. Alors pour moi, le contexte général est totalement différent, hein, quand tu vois que Garp, il entre clairement en territoire hostile avec tout le monde, enfin plein de gens qui peuvent lui sauter dessus à n'importe quel moment. Le mec, il avait pas d'autre choix que de se donner à 100% dès le début. Pour moi, rien que cet aspect-là fait que on a juste à voir la conclusion. Hein, la fin de la conclusion, Garp, je suis d'accord avec toi, hein, ils sont mis à plusieurs et tout, on en parlera après, mais au niveau de la conclusion, bah, il y a Garp qui est par terre inerte, et il y a Rayleigh qui était tellement en supériorité par rapport à Kizaru que le pauvre Kizaru, même quand les Mugi sont partis, il a dû laisser partir, parce que clairement, il a dit « je ne peux pas le battre hein. ». Donc de ce point de vue-là, au niveau de la représentation, maintenant, bah, clairement, t'as un amiral qui avoue son infériorité vis-à-vis de Rayleigh. Ce qui n'est pas le cas pour Garp. Personne n'a avoué son infériorité, même Vasco Shot lui a chié dessus. Bien évidemment, Garp est plus fort que Vasco Shot, voire même bien plus fort, là n'est pas le sujet. Mais t'as un manque de considération flagrant des personnages vis-à-vis des uns et des autres. C'est-à-dire que Rayleigh, il est reconnu comme étant quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Alors que pour Garp, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. D'où bah, ce que je viens de dire par rapport à Vasco Shot et tous les autres. Maintenant, effectivement, Garp, devant Kuzan, je l'ai même dit plusieurs fois, quand il lui a foncé dessus, il y a Kuzan qui se chie un petit peu dessus. Ça, je le dis, ça c'est clair et net. Hein. On a juste à voir sa tête, il est là en mode c'est chaud. Maintenant, malheureusement, le problème étant que Garp, en termes de résistance, il s'est pris un coup d'épée, il s'est pris une patate. On m'a dit que ce mec-là, bon, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a niveau amiral, donc YC1, on va dire, niveau intermédiaire, niveau Yonko. Moi, c'est simple, quand on me parle de niveau Yonko, je dis, si vous prenez n'importe quel Yonko, est-ce que ce Yonko tombe après un coup d'épée de Shiryu? C'est pas un coup d'épée de Shang, c'est un coup d'épée de Shiryu, une patate d'Aokiji. On est d'accord, hein. Il n'y a aucun Yonko, absolument aucun, qui tombe après ces deux coups. Ça n'existe pas. Big Mom, on me dit, oui, mais Big Mom, c'est la Yonko la plus faible, elle est extrêmement nulle, un amiral la prend. Enfin, excusez-moi, quand je vois Big Mom contre Kidelo, quand je vois les techniques qu'elle s'est mangée contre Kidelo, mais Garp, il se mange les coups, il tombe largement avant Big Mom, hein. Ça c'est une certitude, ça y a aucun débat là-dessus. Donc en termes de résistance, c'est très compliqué. Maintenant, Rayleigh, ton opinion c'est par rapport à Rayleigh, on connaît pas la résistance de Rayleigh. Ça c'est une certitude, on ne sait pas s'il serait tombé après un coup d'épée une patate. De mon point de vue, non,
vis-à-vis du niveau qu'il représente. Maintenant, je suis pas Oda, je peux pas non plus l'affirmer. Ensuite, en autre différence flagrante, bah, il y a le Haki des Rois, hein. Garp, Haki des Rois confirmé, non. Il y a toujours débat là-dessus, alors que non, Rayleigh, non, a... non, non, Attends, frérot. Attends, on va y arriver, frérot. Aucune confirmation pour Garp, alors que pour Rayleigh, bah, c'est ce qu'il caractérise. Ça, c'est clair et net, il y a pas de débat là-dessus, c'est ce qu'il caractérise, hein, Rayleigh, on est d'accord, hein. Et ensuite, Rayleigh, il a pas combattu depuis 20 ans. Il combat pas depuis 20 ans. L'amiral. Lumière, hein. On nous dit c'est le mec le plus rapide de tous les temps. Il arrive même pas à le toucher. Il a pas combattu depuis 20 ans. Il arrive même pas à le toucher. Il l'a vu, Kizaru, il a directement paniqué et séché dessus. Donc, de ce point de vue-là, pour moi le contexte est différent. Donc, Rayleigh, pour moi, si tu veux, tu vois, le Rayleigh qui vient sur Amazon Lily devant Barbe Noire, c'est pas le même devant Kizaru, tu vois. Tu vois que c'est pas pareil. Tu vois, contre Barbe Noire, tu vois directement son haki, il le sort directement, il est énervé. C'est pas le même Rayleigh. Parce que le contexte est différent, hein, globalement, c'est pas la même chose, hein. Hancock, bah, c'était pas Luffy, hein. Clairement, Hancock, il a élevé et tout, donc il y a ce rapport émotionnel qui est beaucoup plus fort, hein. De mon point de vue, maintenant, oui, effectivement, Garp, sur la ruche, il a fait un Galaxy Impact qui a l'impact qu'on lui connaît. Ce que je dis souvent, c'est que le Galaxy Impact n'a pas vraiment d'impact. Ça, si tu veux, on pourra en parler. On va parler du Haki des Rois de Garp juste après. Je laisse juste la parole aux deux autres vis-à-vis de la comparaison Garp-Rayleigh, parce que j'ai pas envie de me remonopoliser la parole. Et puis après, on parlera du Haki des Rois de Garp. Ça te va? Carré. The Fable. Pour démarrer, du coup, ton point de vue vis-à-vis de Garp sur la ruche, ça nous permet un petit peu de connaître ton avis sur Garp globalement, et ton point de vue sur la comparaison entre les deux. Bon, Garp, c'est pas un perso que je chéris de mon cœur très fort, mais je vais essayer d'être objectif, et honnêtement, comme t'as dit, comme t'as expliqué, c'est deux situations complètement différentes, et moi je trouve que c'est un peu malsain de comparer les deux situations pour dire qu'il a fait ça contre ci, contre ça, alors que c'est des personnages complètement différents, avec des pouvoirs complètement différents, et comme t'as dit, en général, deux situations différentes, et pour moi, à partir du moment où à Marineford, ta Barbe Noire te pointe devant Sengoku et Garp et qu'il leur chie dessus, alors que quand il se retrouve devant Rayleigh, il est tout doux. Pour moi, le débat, il n'existe plus, en fait, à partir de ce moment-là. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Tu compares, d'ailleurs, le Barbe Noire de Marineford de l'époque. C'était même pas le Yonko. Exact. Ouais, effectivement. C'est vrai que j'en avais même déjà parlé, effectivement, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est vrai que Barbe Noire, devant Garp et Sengoku, il était pas trop... Il les a pas trop respectés, quoi. Effectivement, alors que Rayleigh, c'était un petit peu... Ouais, effectivement. Ouais, ok. T'as fini là-dessus? Oui. Ok. Et toi, du coup, actu, la comparaison, tu vois, ton avis global sur l'infâme Monkey D. Garp et la comparaison avec Rayleigh? Du manga, je pense la prestation de Rayleigh, elle est... Différentes prestations de Rayleigh, elles sont bien supérieures à celles de Garp. On voit Rayleigh face à Barbe Noire, comme l'a dit ce Fable, et Garp face à Barbe Noire. On a vu Garp, il a été face à un Aokichi qui était hésitant, qui avait pitié de lui, et il n'a pas fait tant mal que ça. Shiryu, il a suffi d'une attaque pour lui faire très mal. Alors que quand on compare à Rayleigh, Kizaru, il a rien réussi à faire contre lui, alors que Rayleigh a même pas tiré sur un Haki des Rois qui est probablement sa force principale. On a vu contre Barbe Noire, il l'a fait trembler, il l'a lâché en coque directement. Alors que Garp, il a dû se battre pour récupérer Kobe et au final, il est tombé. Rayleigh, il est sorti intact, il a récupéré en coque, il était tout seul. Alors que lui, c'était contre le vrai Barbe Noire. Lui, c'était juste contre son équipage. Garp, il y a une différence entre les deux. Moi, j'ai toujours dit Garp Prime au grand maximum, si on est gentil avec lui, c'est au grand maximum au niveau de Rayleigh. Okay, ça marche. Bah, du coup, Lucia, tu peux répondre à nos différentes affirmations. Ouais. Et après, si tu veux conclure sur le Haki des Rois de Garp, comme ça, je pourrais répondre. Bah, en vrai, oui, après, il y avait plein de bons points et je pense que vous avez énoncé assez bien. Mais en fait, moi, je considère surtout, je suis d'accord avec vous que la circonstance est différente, mais pour moi, c'est surtout amiral contre un autre amiral, en fait. Genre, les deux ont le même niveau, on le sait. Et après, Garp et Rayleigh. Rayleigh bénéficie de la réputation du Haki des Rois bien... Il le montre bien, quoi. Il aime bien le montrer. Mais par contre, si tu compares à Barbe Noire, il n'y a pas eu d'affrontation. Donc c'est compliqué de... Là, c'était juste clairement de la réputation. Il n'y avait pas autre chose. Genre, il n'y a pas eu d'affrontement. Donc forcément, c'est... Tu ne peux pas comparer ça à un empereur et par rapport à Okiji et Garp. Et certes, Garp, il a fait une prestation horrible après. Tu vois, je suis d'accord avec toi, Rio, sur Shiryu. Shiryu de la pisse. Attends. Le frérot, il arrive. Shiryu de la pisse. Parce qu'il a pissé sur Garp. Oui, parce que pourquoi il a pissé sur Garp? Parce que Kobe, il arrive, il a touché, il a touché, vous voulez. Il a touché, ça m'a rendu fou.
Parce que quoi, répète ? C'est à cause de Kobe que Garp se fait embrocher comme une merde. Ah oui, c'est tout à fait. Après, ouais. C'est tout comme c'est à cause de Barbe Blanche que Joe se fait geler. C'est à cause de Marco que Joe se fait geler. Et c'est à cause de Barbe Blanche, en fait, c'est effet domino. Et c'est à cause de Barbe Blanche que Marco se fait. Oh, oui, et puis après, non, maintenant, je parle de pour les animaux. Il a sorti un kit d'armement pitoyable contre Chilo. Pour moi, il devrait bloquer cette lame. Ah, tu fais référence à. Il a passé la défense de Iron Garp. Ouais, Iron Garp, normalement, tu vois, le Iron Garp, on n'a rien vu d'Iron Garp, en fait. Ça montre que tu veux dire, on peut pas trop en vouloir à Kobe, je trouve, parce que déjà, le truc où il s'est fait avoir, c'est porter de bonnes attentions, tu vois. Donc, c'est parce qu'elle avait le cœur pur que parce qu'il était naïf qu'il s'est fait avoir. Mais surtout, si Kobe n'était pas sorti avant que Garp n'arrive, c'est-à-dire que si Kobe s'était pas libéré avant et tout, il serait encore enfermé, bah Garp jamais il aurait pu le faire sortir en fait. Après, on se rend bien compte que quoi qu'il arrive, faut dire la vérité. C'est parce que Kobe était déjà dehors qu'il a... Il a pu. Oui, mais le faire quoi qu'il arrive, le fait est que Garp aurait été devant Shiryu et Kuzan à un moment donné. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, ça aurait été compliqué pour lui. Je suis d'accord avec toi. Heureusement que Perona a pu libérer Kobe. Sinon Garp il serait venu pour mourir avec tout le monde en fait. Hein. Tout le monde serait mort, même les petits qui étaient venus avec lui. Donc Perona a fait que effectivement ça l'a grandement aidé. Mais pour moi c'est aussi par rapport à l'auteur. L'auteur nous montre bien les limites de Garp parce qu'entre guillemets il a eu besoin entre gros guillemets, hein, même si c'est pas de son ressort, c'est pas lui qui l'a demandé, mais il a eu entre guillemets besoin que Kobe se fasse libérer au préalable. C'est bien pour nous montrer qu'effectivement, de toute façon, tu rentres pas dans un territoire Yonko comme ça. L'auteur nous montre bien que, tu peux pas faire ce que tu veux sur un territoire. Même si, malgré que le Yonko soit pas là, il y avait entre gros guillemets, vous me comprenez, que deux commandants et Levi's, il n'y avait pas le Yonko, bah tu fais pas ce que tu veux. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, le cas de Kobe qui se fait libérer, c'est uniquement pour nous montrer que, bah oui, il te faut de l'aide, il faut des circonstances exceptionnelles parce que sinon. Sinon tu peux pas quoi, tu viens tout seul, grand Iron Garp que t'es, tu peux pas faire ce que tu veux. Et voilà pourquoi il s'est fait embrocher. Maintenant, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Iron Garp, Lulzia. C'est vrai que, pourquoi est-ce qu'Oda, parce que c'est une question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'Oda nous précise, il a réussi à planter Iron Garp? Parce que ça on le voit qu'il a pu le planter. Mais pourquoi nous préciser qu'il a pu planter Iron Garp? Pour moi, c'est uniquement, c'est ce que t'avais dit The Fable, c'est pour nous montrer que Shiryu, c'est pas un mec à sous-estimer. Je te laisse la parole parce que tu voulais parler de ça. Non, je disais juste que Shiryu, c'est exactement comme tu dis, c'est pas quelqu'un à sous-estimer. Pour moi, il va avoir une très grande importance plus tard. Et après, ça reste le numéro 2 de Teach, forcément. Donc, et pour moi, il est plus fort qu'Aokiji. Après, ça, c'est un autre débat. Non. Mais... Non. Parce que, je suis désolé, je te coupe là. C'est pas pour toi, c'est pour Oda. C'est pas pareil. Pour Oda. C'est Oda qui dit que le numéro 2 est plus fort que les autres. Et du coup, que Shiryu, le numéro 2, est plus fort qu'un autre commandant. C'est Oda qui le dit, ça. Si t'es pas d'accord, dis-le. Hein. Bah, je suis de cet avis. Ah, ok. Tu sais à quoi je fais référence quand je dis ça? Oui, bien sûr, au Color Spread. Parce que toi, quand tu dis qu'il est plus fort, tu te bases d'abord sur ton avis à toi ou... D'abord sur mon avis à moi et comment je vois l'œuvre. Et ensuite, sur le Color Spread et je prends les deux. Ok, parce que moi, honnêtement, je suis pas du genre à... Tu sais, quand je lis l'œuvre d'un mangaka, donc d'un homme, si le monsieur en question me dit A, je suis qui pour dire B, en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc quand on nous dit que Marco a combattu d'égal à égal les amiraux, je suis qui pour dire ouais, mais non. En fait, vu que Kizaru, il a utilisé des menottes, bah, il est plus fort que lui. Je suis personne concrètement par rapport à celui qui décide, au décideur, donc oui, concrètement. Mais bon, c'est intéressant que tu dises que de par ton point de vue à toi, on pourra en parler après, tu te bases d'abord sur ton point de vue à toi. Du coup, Shiryu, bah, parlons-en de Shiryu, on en profite. Bah, du coup, Lucia, qu'est-ce que tu penses, toi? Un petit peu de Shiryu globalement, t'aimes bien, t'aimes pas, le fait qu'il ait planté Iron Garp, qu'est-ce que t'en penses globalement? Je sais qu'il y en a qui sont partisans du fait qu'il va tuer Mihawk, mais moi je le vois pas du tout faire ça. Shiryu, je le vois comme un adversaire. Et après, excuse-moi, et après on parlera du HDR de Garp, hein, j'ai pas oublié parce que on me le dit, Ouais, Shiryu, personnage intéressant, malicieux, hein, on l'a bien vu avec Garp, il était tout souriant, il a bien réussi sa mission, voilà. Hein. Il fumait son cigare dès que Garp a été embroché, hein, il a tout réussi. Franchement, très très bon personnage. Et je pense qu'il va encore plus se surprendre. Parce que là, en vrai, il nous a pas montré tant ça. En termes de haki, par exemple. À part avec Garp, du coup. On a vu une action, c'est tout. Il va nous montrer plus. Maintenant que tu le dis, effectivement, on a vu qu'une seule action. Et Oda, bah, ça accentue ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est surtout pour nous montrer à quel point il peut être efficace, offensivement parlant. Parce que faut pas oublier que, grosso modo, celui... Faut dire la vérité, celui qui a scellé le sort de Garp, c'est Shiryu. Enfin, on va pas me dire que c'est Kuzan avec sa patate qui a pu fumer Garp. Enfin, c'est pas lui qui a scellé le sort de Garp. Hein. D'ailleurs, même quand il est devant lui, il lui dit « Où est-ce que tu crois aller avec une telle blessure ?»
Il fait référence à qui là, Kuzan? Il fait pas référence à sa tête, parce qu'il y a Garp qui tient son ventre, il a vraiment mal. Donc oui, c'est Shiryu qui, avec entre guillemets un, vous me comprenez, simple coup, comme on parle souvent des techniques nommées, vous allez voir Mio quand il va nommer sa technique, bon bah, je répondrai pareil pour Shiryu, hein. Vous verrez quand Shiryu va nommer une technique, parce que là, c'est le sort de Garp, sans technique nommée, comme on dit. Donc ouais, effectivement, je suis d'accord. Et toi du coup, actuellement qu'on parle du fameux Haki des Rois, fameux Haki des Malfrats de Garp, ton point de vue sur Shiryu? Mais vous savez mon avis, hein, Shiryu, il est plus fort qu'à Okiji, c'est confiné par Oda, et de toute façon, j'ai hâte de le voir à l'action. T'as hâte de le voir à l'action pour alors moi... qu'il vient à peine de fumer Garp, toi tu veux encore... j'ai hâte de le voir... Non, je rigole, j'ai compris. de le voir dans un vrai combat où il monte sa vraie puissance. Mm-hmm. Ah, d'ailleurs... Il va choquer des gens.